Salut les tous, et aujourd'hui on se retrouve pour la suite Wusu de Final Fantasy V sur Super NES. Donc dans cette vidéo on va continuer notre périple. Hein. Je rappelle, on avait récupéré la clé pour entrer dans le canal dans la dernière vidéo. On avait aussi récupéré tous les jobs, tous les jobs disponibles. Alors savoir que j'ai un peu fait de level up, donc j'ai en fait, fait évoluer mes niveaux de job. Donc, ils sont tous au niveau 1, parce qu'à la base, on démarre au niveau 0, et donc, voilà, j'ai pu gagner la possibilité d'accéder au pouvoir. Donc voilà, quand je passe au niveau 1, par exemple, je gagne le pouvoir couvrir, voilà, qui permet de protéger un allié en péril. Alors, elle, Léna, quand elle, enfin, les mages, quand ils passent au niveau 1, ils gagnent la compétence de job de base, c'est-à-dire les mages blancs. Ensuite, on va pouvoir en gagner d'autres. Le voleur, il peut gagner la capacité passage, donc pour pouvoir voir les passages secrets, et le mage noir, vous imaginez, voilà, compétence noire. Donc, on va rentrer dans le canal, mais avant, on a une petite scène sur le bateau. Voilà donc en route pour le canal, donc il se trouve juste à l'est d'ici, voilà c'est extrêmement rapide. Donc on va utiliser la clé, voilà, pour ouvrir cette grande porte. Apparemment, les trois autres ne sont pas au courant, donc que Zoc nous ait donné la clé. Donc là, c'est une sorte de petit donjon. On a des combats aléatoires ici. À des ennemis, enfin contre des ennemis pas vraiment super puissants. Alors, le mage blanc quand même tape à 26, ça c'est plutôt pas mal. J'ai pas trop fait de level up. Sinon, enfin, les persos vont être un peu cheatés, et puis ça va, j'arrive quand même à bien me débrouiller pour le moment. Vous avez vu, on gagne des points de compétences. Donc là, il en faut 30 pour passer au niveau 2, et voilà. Quand je vais aller 30, ben, je passerai au niveau 2, tout simplement, avec tous les persos. Bien évidemment, si le perso est KO, il ne gagne pas de points d'expérience. On peut se mettre en défense, hein, si on n'a pas envie d'attaquer avec Léna par exemple, que le mage blanc, imagine, c'est quand même le perso qui dispose de peu de points de défense. D'ailleurs, voilà, on peut la mettre en défense, en position défensive. Je vais la laisser seule en position défensive parce que le mage blanc quand même tape un peu plus fort et je sens qu'il est quand même un peu plus résistant, donc.
Autant la mettre derrière. Et voilà un nouveau boss, donc le Carlabosse, tout simplement. Donc un ennemi pas vraiment super puissant. On va essayer de lui faire des attaques de foudre. Donc là vous avez vu, il vient de me paralyser. Ça commence super bien. Voilà, donc la foudre ça marche super bien contre lui. Donc on est juste contenté, voilà, de l'attaquer. Hein. Il n'y a pas vraiment de stratégie à avoir contre lui aussi. C'est pas vraiment un ennemi qui tape super super fort. Donc même que je soigne Dena avant de à la fin du combat. C'est ce que je vais faire d'ailleurs, voilà, on imagine. Ah bah tiens, elle va se soigner, je pense. Alors ça fait plutôt mal, parce que ça enlève quand même beaucoup beaucoup de points de vie, donc je vais peut-être d'abord sauver Faris, pardon. Et lui faire encore une attaque de foudre. Voilà, de toute façon il est. Le perso est déjà KO, voilà, donc, enfin l'ennemi est déjà KO, bah, c'est pas vraiment un boss super super compliqué à vaincre. Hein. Et on gagne une tente, ce qui m'en fait en tout 5. Et voilà, vous avez compris, on se retrouve dans un cimetière marin. Ça commence super bien cette vidéo. Vu que déjà on a des combats aléatoires ici, on va se faire attaquer par un nombre d'ennemis. Alors on a regagné apparemment tous les points de vie. Ces ennemis-là sont sensibles aux soins et au feu, il me semble. On peut faire des attaques en zone dans ce jeu, en sélectionnant tous les ennemis. Vous allez voir ça. Bah voilà, tiens, une fois le. Bon, en fait, ils ont peu de points de vie, donc je pense pas que je vais utiliser en fin de compte
le sort. Le sort de vie à chaque fois. Enfin, le sort de. Ouais, le sort de vie, le sort de feu, pardon, parce que. Je me rends compte que. On peut facilement les vaincre. Alors, le bâton, déjà, ça commence à être un peu moins utile, hein, vous avez vu. Parce que ça, on commence à taper à 4, ça va pas être terrible. Enfin, je suis en train de réfléchir et je me dis que on va peut-être se reposer à un moment au milieu du donjon, donc ça n'a pas trop l'intérêt en fait d'économiser le sort de feu. Bon, en fait, voilà, on va attaquer au feu et puis ça sera cool. Ici, qu'est-ce qu'on a? On peut pas récupérer ça? Non, on peut pas continuer. Là. Là, on a un tonneau pour rien récupérer. Ici, une tente. Enfin, j'ai eu peur en fait d'avoir oublié un coffre. En fait, non, voilà, le premier coffre est ici. En même temps, est-ce qu'on a le choix d'aller se mouiller? Je sais pas. Voilà, encore des squelettes. Alors, je vous en parlais il y a. Je crois que c'était, je sais plus dans quelle vidéo, que l'on pouvait mettre le mode en. Enfin, le jeu de. Le système de combat en mode actif, c'est-à-dire que vous avez vu quand je choisis une attaque, les barres ATB des autres personnages arrêtent de charger. On peut mettre en mode actif si on n'a pas envie de perdre trop de temps. Enfin, et de rendre les combats un peu plus dynamique. Bon là je vois en fait que le sort feu ça consomme pas tellement de points de magie, les points de magie, donc je pense que j'en aurai assez et puis bon bah, après j'aurai juste à taper avec une perso. Voilà, les trois persos gagnent un niveau, donc j'imagine qu'ils sont tous passés au niveau 7, voilà, parce que Butt c'était apparemment déjà au niveau 7. On va descendre. On n'a pas le choix de toute façon de continuer ici. 990 pièces d'or. Ça c'est bien ça, de récupérer de l'or. D'accord, là c'est quand même un peu plus costaud. Vous savez quoi, je vais quand même tenter là, de changer mes stratégies. Hein, taper avec du feu. Et je vais peut-être soigner Galuf, parce que je vais être à 92 points de vie. C'est pas terrible. Apparemment le sort de golem ça lui fait pas trop de mal le sort de feu, donc on va essayer de le faire en physique. Ouais, d'ailleurs il donne aussi un point de compétence. Alors je sais pas du tout, je connais pas l'équipement de Faris, il a une dague. D'accord, le mage noir a une dague et lui a un couteau. Je sais pas du tout ce sont les meilleurs équipements possibles, j'avoue que... absolument rien. On va aller là. Attendez. Je vais regarder s'il se trouve ici. D'accord, on a un coffre, mais je sais pas du tout si c'est la suite du donjon. Enfin, apparemment oui. On a une potion, on va revenir en arrière en fait et on va aller récupérer les autres objets. Ça m'inspire pas confiance là, les ennemis là. Les ennemis en haut. Bon tant pis, d'abord je vais me faire le golem et ensuite j'éliminerai les autres. D'autant qu'il est déjà KO. Bon, le donjon n'est pas forcément. Pas forcément dur, hein. Il est pas très long. Puis ça par contre là. J'ai pas vu ça comme ça malheureusement. Là.
pas, je suis en train de crever, je suis en train de m'en rendre compte. C'est super comme ennemi ça. C'est super classe. Je déteste ce genre d'ennemi où la barre de vie descend extrêmement rapidement. Bon, je vais essayer de me le faire le plus vite possible et ensuite dans les menus, bah, voilà, je vais soigner tout le monde. Ce qui compte, là, faut que je remonte. De toute façon, j'aurais été peut-être forcé de me battre contre eux à un moment ou à un autre. J'ai pas trop de queue de phoenix, ça le problème. Je vais pas dire en acheter en fait dans tous les deux vidéos. Bon, tant pis. Alors là, on va remonter. Bah voilà, tiens, que de finisse. Bon, là, c'est vrai que j'étais un peu con là de pas récupérer le corps. Je pensais en fait ça continuait en haut, mais en fait non. Non, pas du tout. J'ai un peu fait le con. Non, on va pas faire de défense, on va choisir le sort de feu pour neutraliser tout le monde. Bon, y a pas trop de choses à raconter pour le moment, hein. J'ai pas trop de perso. Enfin, pour le moment, les persos ont peu de compétences. Plus le jeu va passer, bien évidemment, plus ça va être. Plus les combats vont être assez. Intéressants. Soit on a quelque chose. Non, on a rien. Donc, ben voilà, je peux. Descendre. Bon, d'accord, en fait j'ai eu de la chance que là voilà, j'ai pas de combat donc enfin j'ai pas eu de combat dans toute la zone donc voilà, j'ai eu un peu de chance. Bon, en fait ceux-là sont pas vraiment puissants. En fait faut pas se fier au physique des ennemis quoi, parce que face ce genre d'ennemis on pourrait dire voilà qu'ils vont taper super fort, mais en fait ils ont une résistance de merde en fait, donc par le coup visif quand même 36 points de dégâts. Je pense que je vais faire du level up là, après cette vidéo là. Attends, j'ai pas le choix parce que après j'ai encore un donjon, enfin j'ai toujours des donjons donc j'ai l'impression que c'est inévitable, mais bon là les persos commencent à être un peu limite, donc voilà, je vais les faire évoluer. Alors, on gagne une élixir, ça c'est cool. Ah merde, je viens de tomber. Ah oui, parce qu'en fait voilà, faut pas tomber dans les trous. Ça c'est super. Bah, voilà, moi je vous l'ai montré. Bah, faut bien marcher au milieu.
Voilà, je dois vous avouer que c'est peut-être la situation la plus grotesque que j'ai peut-être pu voir dans ce jeu vidéo. Je comprends pas comment ils ont fait pour ne pas se rendre compte que c'était une femme. Non, j'avoue que là, je suis un peu largué là. Peut-être même la voix, non, j'imagine. Enfin, c'est un peu foireux là, l'explication, ça, je dois bien vous l'avouer. Là, on a un point de save, si on a envie de sauvegarder. Je suis un peu fouillant, si jamais on a des objets à récupérer ici, j'en sais rien. Autant vérifier, hein. Bah non, on n'a rien. Voilà donc une petite. Ah, attendez, je vais juste revenir en arrière parce que. Je vais quand même vérifier si j'ai pas oublié. Non, pas se reposer quelques instants. Voilà, on peut toujours revenir de toute façon. Non, voilà, je pensais avoir oublié quelque chose. Je préfère sauvegarder puisque on sait jamais. Peut-être que je vais rencontrer un ennemi un peu plus balèze que les autres et peut-être que je vais mourir. Dieu. Donc voilà, je préfère être sûr. Allez, encore un combat aléatoire. C'est quoi? Ouh là, il y en a pas mal ici. Donc là, il faut être un peu intelligent dans la façon dont on procède. On va essayer de faire taper les trois autres sur les sortes d'esprit là. Je sais pas trop ce que c'est, je pourrais pas vous dire. Il y a des carcusseurs. Le problème dans cette version-là, c'est que j'ignore un peu si la traduction des ennemis est fidèle. C'est-à-dire, par exemple, si je vais dans la version GBA, la version française GBA, la version officielle, enfin, la traduction officielle, est-ce que... Ah bah tiens, voilà, tout le monde est en train de gagner un niveau de job. Voilà, vous avez vu, voilà, je viens de gagner des pouvoirs. Attendez, non, c'était de là, voilà, donc le pouvoir au niveau 2. Il y a que le chevalier encore qui n'a pas évolué, et lui, voilà, pouvoir au niveau 2. Et Galuf a gagné la capacité fuite. Voilà, fuit plus vite la plupart des monstres. Je sais plus ce que je vous disais. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Oui, la traduction. Traduction des ennemis, je sais pas du tout si c'est exactement la même traduction. Je ne sais pas vous dire. Je pense pas. Là, qu'est-ce qu'on a? Une carte. Donc la carte du monde. Ça c'est bien. La carte du monde, parce que ça va nous servir pour se repérer dans le monde. En fait, c'est la carte que l'on regarde quand on est dans la world map. En fait, sur ces ennemis-là, on n'a pas vraiment grand-chose à dire, hein. Ils sont pas vraiment d'une puissance extraordinaire, donc juste à bourriner les attaques et puis c'est tout quoi, hein. Il n'y a pas vraiment de difficulté d'ailleurs, voilà, on gagne encore des points de compétence, j'imagine que le guerrier va bientôt évoluer aussi. Là on a des coffres à récupérer, donc un antidote, deux antidotes et ce sont plus de phénix après. Putain, par contre ça j'aime pas ça. On va taper cela avant. Je vais pas me refaire piéger. Je vais les dégommer, voilà. Ils ont beaucoup de points de vie comme ces cons-là. Hein. Alors heureusement qu'on tape fort, mais. J'ai eu un peu peur là qui commence à me virer tous mes points de vie. Mais voilà, en fait, eux, faut les dégager en premier. Parce que sinon ils vont commencer à vous poser énormément de problèmes. Et c'est là que ce con-là me balance un méga attaque et me tue tous. Il me tue tous mes personnages. Là ça serait con quand même. Bon, il y a quand même très peu de chance qu'il fasse une attaque qui me dessoule de tous mes personnages. Pas du tout. Donc bon voilà, au moins vous connaissez la stratégie quand vous avez ces ennemis-là, vous les dégommez en premier. Si vous les dégommez assez vite, logiquement, il y a peu de chances qu'ils vous tapent avec leur attaque. Donc là j'ai gagné. Euh,
je sais plus juste ce que j'ai gagné. On va regarder. Flamme, donc. Oui, pour attaquer tous les amis, voilà. Ça, c'est une compétence que l'on va débloquer. Donc, la compétence jeter. Donc, jeter des objets, pardon. Je suis en train de m'emmêler dans cette vidéo, j'ai du mal. Et des vidéos, parfois, où j'arrive pas à parler. C'est comme ça. Bon, là, j'imagine que Galu va taper un peu plus fort. C'est vrai que j'ai un peu fait le con, parce que la dague, j'aurais pu l'acheter à Tulle, au lieu de rester avec un couteau pour Ave. Là, j'avoue que j'ai pas vraiment joué de la meilleure des façons. Bon, ça arrive. Hein. J'essaie quand même d'économiser les magies pour le moment, parce que je vais peut-être en avoir. Voilà, tiens, 80 points de dégâts, c'est plutôt rapide. Est-ce que j'ai évolué? Non, il me reste encore deux points de compétence. Je vais regarder le guerrier s'il avait tous ses points de compétence. Là, on a encore un coffre. Je me dis que c'est un coffre piégé, ça, non? Enfin, vous allez comprendre. Alors, avant de continuer, je vais remettre de la vie. Non, attends, j'ai sélectionné le mauvais personnage. C'est pas vraiment un coffre hein, en fait, c'est un bouton qui me permet de faire émerger un bateau et on arrive enfin sur la terre ferme. Et nouveau boss, donc sirène. Alors, vous avez vu, elle a tenté de nous. Ok, bon, ça c'est cool de faire mute sur mon voleur. J'ai pas trop l'intérêt pour le moment, bon, c'est pas grave. Alors, je sais pas du tout si elle craint la foudre. On va bien voir. Voilà, donc 0. Bon, ben, ça commence bien déjà. Donc, nouveau boss. Faut se méfier parce qu'elle voilà, va commencer à nous lancer des altérations d'état. Elle tape quand même bien fort. Je vais essayer de faire tous les sorts de magie parce qu'en fait je pense qu'elle craint voilà, toute la magie. Il faut la taper au corps à corps. Si vous gardez vos personnages à un bon niveau de vie, c'est bien pour le faire.
On va continuer à défendre avec elle, j'ai pas trop l'intérêt de... Non, je vais pas faire gel alors, hein. Je vais attaquer au corps à corps, j'ai pas le choix. D'autant qu'elle s'est fait armure, donc c'est-à-dire que... on va la taper beaucoup moins fort, voilà, change en mort-vivant. Alors j'imagine que le... Merde, je me suis trompé de... Tant pis. Là j'ai utilisé un tour pour rien, là j'imagine que... Que le sort cure sur sirène va être utile. Le sort pour ressusciter ne marche pas trop, enfin ne marche pas du tout en fait sur les morts-vivants. Je vais essayer de mettre une potion sur elle. À 80 points de 80 points de dégâts, c'est quand même pas mal. Sachant que les autres tapent à 30 et quelques, voilà, 20-30. Donc, en fait, c'est le mage blanc qui sert énormément dans ce combat-là. Et puis après, bah, j'espère que vous avez des potions pour soigner le reste de vos personnages. Mais logiquement. On va réussir ce combat sans trop de problèmes. J'ignore notamment en fait les points de vie des persos. Bah, étreinte d'ours, ça fait pas du bien ça. J'ignore vraiment les stats des ennemis. J'ai pas cherché vraiment à vérifier. Parce que en fait, je fais quand même des recherches avant la vidéo. Hein. Je sais quand même ce que je vais faire, donc je vais pas ça à l'aveugle. On va pas faire défense. On va continuer à attaquer, mais voilà, je recherche pas trop les stats sur les persos, donc voilà, les remis dans son état normal, on va dire. Par contre, là, on va soigner Galu. Je crois qu'il a empoisonné Galu. Parce que là, je le vois, il est bien mal en point. Alors, c'est cool, en fait, il me met mute, mais sur mes... sur les persos qui ne font pas de magie, on va essayer de faire antidote. Parce que je... Voilà, bah tiens, voilà. Vous pouvez voir à droite, on a les altérations des as de mes persos. Donc voilà, lui est muet et lui est empoisonné. Donc ça, c'est cool. On peut voir quand même si les persos. Allez-y. Donc les persos sont affectés. Et voilà la fin du combat. Victoire et 5 points de compétence. Et j'imagine voilà, que Butts gagne enfin son niveau de job. Et on gagne la capacité défense. Donc voilà, fin du combat, et vous allez pouvoir voir que, et on se retrouve dans la world map. Donc d'ailleurs, on peut y revenir, il me semble, dans cet endroit. Donc là, vous voyez donc la carte du monde. Donc nous, on est en haut à droite, c'est la petite flèche là qui brille. On le voit assez mal quand même, mais voilà, nous, on est la petite flèche. Alors, je vais quand même soigner mes... Perso, oh, ça va être super parce que non, je vais commencer à confondre les touches, là je le sens bien. Je vais de pas trop me tromper. Donc on doit partir maintenant vers l'est pour atteindre le prochain village, pardon. Je crois que ça m'a fouillé, c'est pas bon signe. Ok, bon, apparemment ces ennemis ont une bonne esquive. Puis vous reprends parce que là vous avez vu que j'ai loupé mon attaque. Là c'est un bon endroit encore pour faire du level up. Hein. D'autant qu'en fait je vous explique un peu comment ça se passe en vidéo, parce que sur l'ordinateur j'ai la capacité d'augmenter très 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 vite la vitesse du jeu. C'est-à-dire que level up en fait ça dure une minute quoi, donc ça c'est cool de faire un RPG sur l'émulateur, parce que je peux vous dire les. Le Wushu des FF12 par exemple, pour se faire le boss, pas le boss final Vayne, non, le boss Yasmat, qui doit être au niveau 80, 90, 100, je sais plus. Bon, il faut faire évoluer les persos au niveau minimum 85, c'est très 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 lent, très long à faire.
Et c'est pour ça que j'aime pas trop faire des bossous d'RPG sur console, puisque en fait ça me gonfle un peu de devoir faire du level up pour un bossou. Enfin voilà, ça me fait perdre du temps et ça m'énerve. Donc un bossou qui avait fait 12, imaginez la durée de le nombre de vidéos, j'en ai fait 66. Ça m'a pris quand même énormément de temps hors vidéo aussi, donc voilà, faut quand même que vous en ayez conscience. J'imagine que là faut partir vers le sud maintenant. Je sais plus, peut-être qu'on va partir vers le nord, je sais pas, mais moi je veux trouver la fameuse ville pour pouvoir me reposer. On n'est pas obligé d'y aller dans la ville, hein. En fait, on peut continuer carrément au prochain donjon, qui est plutôt court. Mais voilà, on n'est pas obligé d'aller dans la ville, mais bon, faut quand même y aller, voilà, pour acheter des armes, des magies, se reposer, bien évidemment. C'est quand même un endroit inévitable dans notre progression. Je suis en train de regarder le fond derrière et j'essaie de le comparer au fond des plaines dans FF6. Regardez au-dessous de FF6, vous allez voir, les plaines sont vraiment très 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 bien faites. Là, c'est quand même un peu plus dégueulasse. Donc, la ville de Carven. Une petite musique assez entraînante, hein. On va un peu fouiller ici. Parce que là, j'imagine que l'on doit avoir des objets à récupérer. Voilà, un antidote. J'imagine qu'il doit y avoir encore un objet, je sais plus. Là, on a les bateaux ne se rendent plus à Wolus parce que le vent s'est affaibli. Voilà, donc le port pour le moment est bouclé. Depuis que le vent s'est affaibli, nous ne pouvons plus envoyer de bateaux. C'est malheureux, hein. On a des PNJ, voilà, qui on peut parler. On a un marchand de magie, un marchand d'armes, un marchand d'armure. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'INN. Faire un tout petit peu le tour de la ville, voilà, je vous montre un peu à quoi elle ressemble. Enfin, moi je veux vous montrer un petit passage si j'arrive à l'atteindre. Je sais plus par où c'est, je crois que c'est par là. Viens voir. Voilà, c'est là. Passage caché et on gagne la baguette de glace. Donc la baguette de glace, c'est pour mon mage blanc, j'imagine, ou pour mon mage noir. Mage noir plutôt. Enfin, la glace. En fait, voilà, c'est une arme élémentale, donc de glace. Donc si vous rencontrez des ennemis de glace, ben ne vous en servez plus. Voilà, tout simplement. Donc je voulais vous montrer quand même, ce que je voulais pas montrer dans les vidéos là, comment on achète les magies. Je vous ai présenté, mais on va aller voir ensemble les magies présentes. Alors. Feu, gel aussi, éclair, je préfère quand même appuyer sur tout, voilà, rêve, je ne l'avais pas dans 300, et armure, je n'avais pas, j'avais pas mute aussi, bon ben voilà, tiens, ça me fait encore quelques magies dans mon inventaire, ça c'est cool, vous savez, voilà, on a juste besoin d'acheter les magies, on n'a pas à les allouer sur les personnages. Alors ça c'est un peu con dans le jeu, c'est que... on peut pas savoir si l'arme est plus puissante que celle que l'on a déjà. La dague par exemple, là j'en ai 3, bon, c'est un peu con. Bon, je vais acheter la royale, moi c'est fait. La baguette... j'ai déjà le bâton. Voilà, j'ai un peu fait le con. Et le bâton je l'ai déjà aussi. Et la dague c'est pareil. Et pour les armures, je sais plus tout ce que j'ai. Je sais que j'avais récupéré l'armure de bronze. Je vais quand même être ultime surtout, on va bien voir. Donc bronze, voilà, je l'ai. Je l'ai déjà. On va acheter ça pour lui. Ça pour lui. Coton, j'imagine que ce sera pour les deux, je vais en acheter deux. Voilà, donc là j'imagine que. En fait, faut essayer de le faire à l'instinct, quoi. En fait, faut savoir, hein, si certains sont plus puissants que d'autres.
Voilà, là je vais faire un équipement en bronze, lui, enfin elle plutôt, le coton, et coton aussi pour mon mage noir. Dernière étape importante, à chaque fois que l'on atteint un village, on va rentrer dans le pub. Parce que les pubs en fait n'étaient pas très utiles aux autres FF. Là oui c'est utile puisque l'on va devoir jouer du piano une nouvelle fois. Voilà, je suis meilleur au piano, c'est cool. C'est le deuxième piano, je sais plus tout le nombre de pianos présents dans le jeu. On va bien voir. Là, il n'y a personne apparemment. Ici, sur la gauche. Alors ça, c'est un chemin caché. Puisqu'en fait, j'ai la capacité de passage. Voilà, moi, je vous ai montré à quoi ça ressemblait. Puisque là, voilà, 1000 pièces d'or. Et j'imagine que si je vais lui parler, il va me demander qu'est-ce que je fous là, non? Ah non. Bon, apparemment, mes termes tombés sur des coups. Ben voilà, tiens. Voilà, ça fait une sorte de fil de fer comme ça, un peu. Et il est bourré apparemment le magasin. Et on peut trouver les passages cachés. Donc on va se quitter là nous sur cette vidéo. Hein. On a fait quand même énormément de choses. Hein. Je rappelle que le prochain donjon est au nord, donc on peut y aller. On va sortir de la ville, on va se quitter sur la world map. Comme d'habitude. Voilà, donc au nord de cette position, je vais essayer de vous montrer la carte. Donc, ouais, c'est au nord. Vous voyez, au nord-est, j'imagine que c'est ce point-là où on va devoir visiter pour le prochain donjon. Donc, nous, on va se quitter là sur cette vidéo. Maintenant, vous avez aimé celle-ci. Si c'est le cas, je vais à la prochaine pour la suite du Wusu de Final Fantasy V.